Salut les amis, c'est The Killer d'Informatique Facile. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Alors, c'est vrai, effectivement, il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Enfin, petit moment. Ça doit faire au moins 15 jours. Voilà, bon, j'ai pas eu trop le temps, hein, entre le travail et tout et tout. Donc, voilà. Comme promis, voici la vidéo pour le concours. Donc, où je vais vous expliquer un petit peu les modalités du concours. Mais avant toute chose, je vais vous faire quand même un petit tuto. Voilà, un tuto très très simple hein, et vraiment très très court aussi. Je vais vous montrer comment booster un petit peu le démarrage de votre PC. Donc c'est valable sur tous les Windows, donc de Windows XP à Windows 8. Par contre, vous gagnerez en performance de démarrage selon votre ordinateur, puisque ça va jouer au niveau des composants, c'est-à-dire RAM et processeur. Donc c'est parti. Nous allons faire démarrer et dans la barre de recherche nous allons taper msconfig. Ensuite on fait entrer, ce qui va ouvrir une petite fenêtre. Voilà. Et l'onglet qui nous intéresse, nous, c'est l'onglet démarrer. Ensuite sur cet onglet là, nous allons donc vérifier que ici rien n'est coché. Donc logiquement c'est tout est décoché à la base. Sauf si vous avez modifié certaines choses. Nous allons cliquer sur Options avancées. Et dans Options avancées, normalement, vous, c'est comme ceci. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez mettre, donc, par rapport à votre processeur, le nombre de cœurs qu'il possède. Pour ma part, j'en possède 4, donc je coche 4. Et en mémoire maximale, voilà. Donc, ben, ça met généralement automatiquement. Mais si c'est pas fait, ben, vous cliquez ici jusqu'à ce que ça s'arrête. Moi j'ai en tout cas 16 Go de RAM. Il me dit que voilà, je peux aller en mémoire maximale jusqu'à 16384. Bon, je sais pas d'où viennent les 384, mais bref. Ensuite vous cliquez sur OK. Vous faites appliquer surtout hein, pour bien mettre en charge au prochain démarrage ces nouveaux paramètres et vous faites OK. Alors vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, donc c'est marqué vous devez peut-être redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces modifications avant de redémarrer, enregistrer tous les fichiers ouverts et fermer et fermer tous les programmes. Bon, moi je vais pas vous le faire puisqu'évidemment ça va quitter la vidéo. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. Comme je vous avais dit, ben, c'est un tuto très très court, très très simple. Hein. En même temps, il est 7h25 du matin, j'ai pas dormi de la nuit. Voilà. Donc on est le 15, j'avais dit que je ferais la vidéo pour le concours le 15, donc c'est cette vidéo là. Oh, hop, c'est cette vidéo là, donc les modalités sont que, en fait, dans l'espace commentaire prévu en dessous cette vidéo, vous mettiez, bah, tout simplement, je participe. Moi, d'ici le 24 au soir, je vais récupérer bah, tous les noms des personnes qui participent, donc qui auront laissé ce commentaire dans la vidéo. Enfin, ils sont pas obligés de laisser je participe, hein, mais ils peuvent me laisser aussi un autre commentaire hein, pour me dire bah, ce qu'ils veulent. Enfin voilà. Mais ils mettent participe quand même, puisque sinon moi, je vais pas m'y retrouver. Donc par la suite, ben moi le 24, je vais récupérer tous les noms qui sont dans les commentaires. Et je vais donc faire une liste. Et cette liste-là, le 25 au soir, donc dans une vidéo aussi, je ferai la vidéo directement. Je pense la faire en direct. Donc eh ben, je prendrai ce petit logiciel qui s'appelle Pickout Beta. Donc qui a été créé par... je sais plus, mais je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je ferai bah, ajouter le participant, voilà, ligne par ligne. J'aurai au préalable copié-collé vos trucs dans un fichier texte que je recollerai ici par exemple. Donc bah, là, pour vous faire un petit test, hein, je vais mettre 1, 2, 3, 60, voilà, enfin 1. On met n'importe quoi. Hop, on fait OK, donc voilà, ça me dit que j'ai 15 participants, donc c'est parfait. Et ensuite, ben, je ferai démarrer le tirage, ce qui va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, et puis ben, sélectionner un nom au hasard dans la liste des participants. Donc voilà. Vous voyez, hein, ça fait aléatoirement, bien évidemment. Hein, y a pas de triche, c'est aléatoire. Donc voilà, en gros, ben, ça aurait été le numéro 646 qui aurait gagné le petit thème. Alors, à propos du thème, voilà.
Je vais vous faire un petit aperçu, je vais vous montrer un petit aperçu quand même. Voilà, on va faire test. Toc, on va réduire ça, ça. Voilà, donc bon, hein, c'est un thème tout simple. Évidemment, je ne l'ai pas encore terminé, hein, j'ai quelques trucs à faire. Voilà. Donc voilà, c'est. J'espère que ça vous plaira, évidemment, mais je mets énormément de temps à faire tout ça, donc voilà. Donc, ben, vous, si vous avez bien compris, ben, vous mettez je participe dans la fin, enfin dans l'espace commentaire de cette vidéo. Voilà, c'était The Killer d'Informatique Facile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.